Mais bon, on va faire sur la deuxième course, c'est une skimmer artérielle et vu des membres inférieurs. Donc, une skimmie en introduction, une skimmie se définit par intervention brutale. L'interruption, c'est-à-dire l'arrêt brutal du flux. Le flux signifie qu'il y a arrêt brutal de l'irrigation, tel le moment artériel au niveau d'un segment du membre ou là tout le monde. Segment du membre, tel le pied, ou là la jambe, ou là la cuisse, ou là l'intégralité d'un membre derrière le pied, la jambe et la cuisse. Donc, c'est une infection sous l'urgence qui compromet à la fois le pronostic fonctionnel, ce qui est une amputation du membre et le pronostic vital. Donc, la vie des malades peut être engagée chez les malades qui présentent une ischémie du membre inférieur en dehors d'un traitement urgent. C'est une urgence vasculaire, donc le traitement doit être entrepris en urgence. Donc, c'est une pathologie dans le diagnostic et les cliniques. Donc, maintenant, quel est l'intérêt des examens complémentaires ou les examens complémentaires qu'on demande vont ralentir ou là, vont plutôt retarder la prise en charge urgente de ces malades. Donc, il ne faut jamais perdre le temps à demander des examens complémentaires et faire perdre une prise en charge chirurgicale urgente. Donc, les examens complémentaires sont souvent pour peu de place, donc ils ne sont pas nécessaires. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, l'aorte abdominale avec ses différentes branches, les deux artères iliaques, les artères iliaques dans l'artère iliaque externe et interne, et l'image de gauche, la vasculaire, les branches de l'artère fémorale commune, tartine les deux branches, l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle, elle est tartine de l'artère popliquée, puis qui va donner d'autres artères, c'est l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure, pour assurer la vascularisation de la jambe et du pied. Donc, quelles sont les étiologies? Donc, les enroulés. Alors, l'étiologie principale, on a la cause principale des ischémies au niveau du membre. C'est la première cause d'ischémie au niveau du membre, que ce soit inférieure ou la supérieure. L'origine est cardiaque dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans 90% des cas. Donc, les patients plus disposés à faire des ischémies d'origine cardiaque, on met les patients au niveau d'un même du trouble de rythme à l'étage auriculaire, c'est-à-dire en arythmie complète par fibrillation auriculaire. Une SMUA assez avant. Ou là, les patients ayant fait un EDM, puisque l'EDM, on dit l'EDM du ventre gauche, parmi les complications normalement les deux tours, mais il y a la formation du thrombus au niveau de la paroi myocardique, surtout au niveau de la zone nécrosée, puisqu'elle ne se contracte pas, il y a le dépôt des plaques et la formation du thrombus. Les anévrismes cardiaques, c'est parmi les complications d'un EDM. Anévrisme cardiaque, c'est la création d'une nouvelle cavité ou la myocavité au niveau du cœur. Donc la stase ou la lithotripsie qui survient au niveau de cette myocavité, il forme les thrombus. Qui, normalement, si vous avez fait le cours de lithissement mitral, critiquez souvent des thrombus au niveau de l'oreille gauche. Les endocardites bactériennes, normalement, vous avez vu qu'il y a des végétations. Ou là, la lésion élémentaire, il y a l'apparition de végétation au niveau de l'endocarde, hein, que ce soit valvulaire ou la parietale. Un peu les végétations, il sera le détachement d'une partie ou l'intégralité de la végétation, autrement dit des membres, ou partir un tableau d'ischémie du membre. Là, j'ai eu des malades pour une ischémie du membre. L'ischémie du membre, il faut toujours faire le diagnostic étiologique. Là, on dit le diagnostic étiologique pour éviter la survenue d'autres accidents emboliques. Hein, j'ai 9 travaux à 18 ans, mais j'ai plus ça. Pour l'ischémie du membre, on opère un autre chirurgien pour l'ischémie de Had, la Fugati. On met la carte de l'homme qui date le bilan diagnostic étiologique. Le GATEP, il y a des végétations sur une endocardite mitrale. Ou l'inon périnara pour la valve mitrale. Mixon, ou chez Wemixon? C'est la tumeur cardiaque bénigne la plus fréquente. Tumeur cardiaque bénigne la plus fréquente et dans le siège de prédilection, c'est l'oreille gauche dans 70% des cas. Donc, il semble un cadre un fragment, mais nous, l'intégralité théorique, il y a une ischémie au niveau du membre. Les thromboses des valves cardiaques mécaniques, donc actuellement, on voit de plus en plus de patients porteurs de prothèses cardiaques. Normalement, surtout les malades porteurs de prothèses mécaniques, il faut les mettre sous traitement anticoagulant 5 ans. Il y a des gens qui ont sous 5 ans brutalement, soit de façon volontaire ou involontaire,
Ils disent les thromboses. Elle est parmi la première complication que les patients portent de prothèses cardiaques. Sous 7 ans, ils disent les thromboses de prothèses. La valve était bouchée, donc c'est une urgence cardiaque. Avec les thrombus, quand il migrait un thrombus au niveau des membres inférieurs, il y a un tableau d'ischémie. L'origine peut être extra-cardiaque dans 10% des cas. Les anévrismes, maintenant, il y a un anévrisme au niveau de la aorte abdominale. L'anévrisme est une zone de turbulence, et même qui l'appelle les anévrismes de l'aorte abdominale, on trouve le sac anévrismal des thrombus. Adhérant à la paroi artérielle ou l'aortique, le détachement est fragmenté des anévrismes, il y a des membres inférieurs et il y a des ischémies du membre. Les lésions d'athérosclérose ulcérée, donc il y a une perte de substance au niveau de la plaque d'athéron, qui me fait dire l'ulcération du plaque d'athéron, favorise la formation des thrombus. Thrombus est extra la migration au niveau du membre inférieur, tu atteins un tableau d'ischémie, ou la végétation, ou la prothèse thrombosée. Le thème qui me vient au vide, les malades atteints d'une aomie, le stade 4, on déroule le dépontage. Femme tout. L'artère fumorale commune, l'artère poplitée, il révèle le pont d'art, il thrombose. Femme tout. Il est très thrombose, maintenant il y a un stade médical, il touche le pont, il peut toucher le thrombus, la migration de le thrombus, il y a un tableau d'ischémie. Embolie paradoxale, je mets embolie paradoxale. Embolie normalement, on a tout le cours d'un impact en troisième année, paradoxale. Maintenant, il y a tous les thrombophlébites, thrombose véneuse flébène du membre inférieur. Inch'Allah, la semaine, Inch'Allah, dis-nous les sillons, les communications à l'étage atrial, donc les communications entre les deux oreilles. Mais il y a un thrombus, les veines des membres inférieurs, et on y a une veine. L'embolie pulmonaire qui fait ça, et la migration entre les thrombus, les veines des membres inférieurs. Et on relie le cœur droit. L'oreille droite, le ventricule droit, on va dire que l'artère pulmonaire ou une de ses branches a un tableau d'embolie pulmonaire. Qui donne l'oreille droite, qui trouve une communication entre les deux oreilles, comme tu dis que le thrombus est là, qui roche l'oreille gauche. Mais l'oreille gauche, il roche la circulation systémique. Mais les membres supérieurs, membres inférieurs, il y a un tableau d'ischémie. La vie est une embolie paradoxale. Comme tu dis que je mets l'embolie paradoxale. Il y a un passage, mais le cœur droit, le cœur gauche, il y a des embolies paradoxales. Les embolies septiques. Je mets un embolie septique. Les anévrismes, les anévrismes artériels. Les anévrismes artériels, les étiologies de Hamzer. Les composts traumatiques, athéromateux, congénitales, etc. Ok, les causes septiques. Fait tout. Maintenant, on a dit qu'on a une incidence rénale chronique, il dit le cathéter avec artérie, il t'affecte le. Tu affectes la lumière artérielle et la végétation. La lumière artérielle, c'est très bien que c'est petit embolie, c'est le détachement de la végétation et de la flore, d'une ischémie du membre. Complication d'un cathétérisme artériel, donc c'est un traumatisme. Traumatisme par un cas iatrogène. Puisque les traumas qui sont les œufs, qui sont iatrogène et non iatrogène. Les tumeurs de la horte, c'est exceptionnel. Mais les tumeurs de l'aorte ont des détachements fragments et atteignent une ischémie du membre. Dans 5 à 10% des cas, elle est idiopathique. Donc les explorations étiologiques n'arrivent pas à trouver l'étiologie. Dans ce cas-là, nous étudions pour l'ischémie. Oui, prend toujours le point d'interrogation. Quelle est la cause? Elle est étudiée la cause, c'est pour éviter d'autres accidents. Deuxième étiologie, ce sont les thromboses. Donc qui peuvent survenir. Je mets la thrombose. Donc, le même endroit sera lié à une occlusion d'artère athéromateuse. Maintenant, on a dit une aomie, on a mis le malade sous traitement médical pour fluidifier, pour avoir ou diminuer la corrompabilité du sang. Il tombe généralement sous aspigique, syndrome, etc. C'est que certains malades, ils ont syndrome terme. Femme tout, syndrome pour diminuer le caractère. Femme tout, pour le sang qui est plus fluide pour passer à travers les ondes sténosées. Femme tout. Il y a un syndrome qui est malade, mais ça a une déshydratation. Ça a une hypercoagulabilité ou une thrombose des artères athéromateuses. Les thromboses d'anévrisme. Si vous avez le sac anévrismal, il peut offrir 10 mètres de thrombus. Thrombus a dû dérouler l'oblitération de la lumière artérielle. Quand on trouve l'oblitération en 50-70% des cas, quand on dit tribulé à 100%, qui est tribulé à 100%, donc tu atteins l'arrêt brutal d'irrigation tel le membre. Dernière étiologie, on met les thromboses, c'est les ponts.
les ponts hadouk qui connaît des moyens de revascularisation chirurgicale. Les malades ont mis normes, on dit le pont il faudrait déboucher. Qui débouchait le pont? Il y a des couilles qui nous disent d'abord il apporte l'oxygène et le nutriment de membre. Les gens ont des ischémies qui débouchaient, ça a une ischémie dans le membre. Troisième étiologie, mais les étiologies sont rares, les causes médicamenteuses. Les drogues vasoactives. Vasoconstructives, qui m'a ouvert. L'adrénaline, la noradrénaline, il y a donc une injection directe au niveau de l'artère. Les produits sclérosants veineux. Les produits sclérosants veineux qui sont surtout des femmes. Mais si je dis le traitement des cicatrices au neuf, il y a des brévases des membres inférieurs. Les petites varicosités, il y a donc surtout les cuisses ou les jambes. Il y a donc l'injection d'un produit sclérosant. Il y a donc la destruction des varicosités, il y a donc veineuses. Il y a donc un opérateur manche entraîné au lieu d'injecter. Au niveau des varicosités veineuses, il y a des injectifs l'artère. Qui est injectif l'artère, je veux dire, il fait là. Femme-tout. Ou est-ce que les barbituriques, normalement, quand on parle de le module de neurologie, compression extrinsèque. Maintenant, on a une masse sur l'artère pompitée. Écoute, l'artère pompitée, puis que le pompitée, tumeur. Tu me suis dit que tu vas être l'artère pompitée. Ou là, on a un hématome, un escarpa. Femme-tout. Les états d'hypercoagulabilité sanguine. Je m'en vais hypercoagulabilité sanguine. État manette à la hypercoagulabilité, manette à la coagulabilité du sang, zib. Sanguine. Les malades, ils ont des tumeurs le sang, surtout maligne. C'est mal la coagulabilité, zib. Fais tout. Les néoplasies, les pulsivités hémato disséminées, ou les déficits de facteurs de l'hémostase, qui m'ont l'antithrombine 3, la protéine C, ou la protéine S. Ça diminue la coagulabilité sanguine. Les gens qui ont un déficit de l'eau, c'est qu'on dit que les œufs, t'as un notat, tu fais rien de mauvais, t'as un l'hypercoagulabilité sanguine. Des cas particuliers, les traumas vasculaires. Les gens dans la bourrousse, au niveau de l'avant-bras, ou le bras terre, ou la passe interne. Donc, sectionner l'artère totale de l'artère humérale, le chiffre. Donc, ce sera une ischémie à l'avant-bras et la main, comme tout, puisque maintenant, ce sera arrêt de l'irrigation. La plaie artérienne peut être franche, la solution de continuité intéressant les trois tuniques, intima, media et adventis. Donc, c'est une section totale. Et donc, ici, une infusion, généralement, on est au même des thrombus, comme tout. Alors, il prend les deux bouts, et donc, il sera une rétraction entre les deux bouts artériennes, donc, il y aura une dose des thrombus, comme tout. Elle peut être contuse, elle dit que les traumas avec écrasement. Comme tout. Maintenant, il y a un camion qui fait le trait ou la mochite, il y a une section totale avec perte de substance. Dans ce cas-là, il y a des pontages. Des sections antiques, d'accord, Ramna. Des sections antiques, c'est parmi les urgences en chirurgie cardiaque. Ça sera une plaie flétima, donc ça sera déchiré la paroi intima. Donc le sang, il voulait circuler la paroi artérielle, il sera déjà avec extension en amont et en aval. Donc, il y a le flap intimal, il y a l'orifice à l'artère iliaque ou à l'artère fémorale, puisqu'il y a des dissections, il y a un portail au niveau des artères du membre inférieur. Le flap intimal, il est tellement dissiqué à l'artère complètement, il dissiqué à l'artère fémorale. Et où il est demi fouche, puisqu'il est empêché par le flap intimal. La physiopathologie, la gravité de l'hypoperfusion et de l'hypodibie dépend de quatre paramètres. La circulation collatérale, on a déjà parlé de ça. Donc, l'ischémie contre ça, elle doit être un sujet jeune. L'ischémie, l'ischémie qui sera un doigt faire avance, bien sûr. Donc, le tableau clinique est le moins embryon chez les sujets âgés, ouais, puisqu'il y a deux circulations collatérales. Le sujet jeune, connaissant l'ischémie aiguë, son geste de revascularisation rapide. Donc, ce qui m'est dépassé, ça va faire ici, c'est sur l'air. La prise en charge doit être précoce et immédiate. Pression artérielle systémique. Des pressions coulmico-nosoïdiennes, coulmetrone, même la zone à l'esténose ou la obstruite, ça va la perfusion. Qualité de l'iso artérielle d'aval. Le iso artérielle TS, surtout chez les jeunes et les mères. Donc, au moins, les ischémiques qui surviennent,
sur des axes artériels, mais sur le sein. Donc, même diagèse de revascularisation, le pronostic fonctionne intérieurement, mais généralement, il faut une brière. Par contre, chez les malades, il y a même des AOMI, ou des artères qui sont malades par la maladie athéromateuse, et là, on donne le résultat opératoire et une couche mais, d'accord. L'affection causale, donc en fonction de l'étiologie. Maintenant, on donne une ischémie sur le cancer. Moi, je suis post-traumatique. Post-traumatique, on va situer ou la réparer l'artère. Je rétablis le flux, c'est normal. Fait, on va te je la vie. Mais si on a un cancer ou une anomie ou là, donc, il y a le risque de récidive. Donc, la tolérance à l'ischémie des différents tissus est variable. En fonction de les nerfs, c'est 2 heures, muscle 6, c'est 12 heures. La peau entre 24 et 48 heures. Quelles sont les conséquences de l'ischémie? L'ischémie, lui, entraîne le passage vers le métabolisme anaérobique, donc la conséquence bénéfique pour préserver la viabilité du membre. Elle est liée à la préservation du membre, elle est obligée de se souhaiter, puisqu'il y a le passage vers le métabolisme anaérobique. Les conséquences néfastes, c'est lié à des métabolites toxiques, puisque le passage vers le métabolisme anaérobique, il sera une des conséquences. Il y a la production de radicaux libres, qui est la myoglobine liée à la nécrose musculaire, myoglobine maître de dépôt des artères rénales, et atteint une ischémie insuffisance rénale. Le potassium phénylgène, la nécrose tissulaire, et l'acide lactique, c'est le produit de le catabolisme ou le métabolisme anaérobique. Donc, on a des conséquences locales et générales. Quelles sont les conséquences locales? L'anoxie musculaire entraîne une vasodilatation capillaire. Donc, ça, la vasodilatation, ça, la sortie des liquides vers l'interstitium, entraînant une augmentation ou l'apparition de l'œdème interstitiel. L'œdème interstitiel va entraîner la stase veineuse et lymphatique. Donc, la stase veineuse et lymphatique va majorer après l'œdème interstitiel. D'accord? On réchauffe le cercle du vaisseau humain. Les conséquences générales, il faut bien retenir la physiopathologie de l'ischémie. La prise en charge elle doit être immédiate et urgente pour éviter les conséquences. Le choc hypovolémique, puisqu'il y a le passage d'exudation plasmatique vers le secteur interstitiel. Le passage des métabolites toxiques, qui met les percalimites, va donner des troubles cardiaques, voire même un arrêt cardiaque par hyperpolarisation des cœurs. La myoglobine et la myoglobinurie entraînent une insuffisance rénale. L'acidose métabolique entraîne la défaillance de tous les organes, cerveau, cœur, rein et foie. Les radicaux libres, qui sont très toxiques pour les cellules, entraînent la destruction des tissus. Donc, nous, on fait une explication, il faut les retenir, il faut les connaître. Il suffit de faire la relecture. Donc, le diagnostic. Le diagnostic et les cliniques. Donc, il faut bien retenir en tête le diagnostic d'une ischémie. Donc, il faut reconnaître l'ischémie aiguë. Ben, la foule ischémie aiguë, on va voir après. C'est l'examen physique. Il n'y a pas confirmer le membre et en ischémie. Reconnaître la topographie de l'obstruction artérielle. Faire la topographie. D'accord. Connaître le mécanisme de l'obligation artérielle. Une chauffe la bruyance dans le tableau, l'interrogatoire, etc. Ce qui est brutal, le tableau clinique il est bruyant ou la moins bruyant. Et reconnaître la gravité de l'obstruction artérielle qui a une classification, les chevaux à classification de Rittelfort, qui distingue trois stades de gravité croissante et l'ischémie aiguë. Donc, comment reconnaître une ischémie aiguë? Il faut interroger le malade pour préciser l'heure de début d'un an. Durée d'ischémie. Inch'Allah, tous les généralistes en 3 à 4 ans. J'ai vu un malade en ischémie aiguë. Vous êtes des généralistes, maintenant je t'en le malade. Il y a une zone dans un centre qui va faire la prise en charge chirurgicale de l'ischémie. Tout le monde qui trouve la lettre d'orientation, toujours, il faut mettre l'heure de 18 à le septembre. Même si c'est médico-légal, fin de tour. Tu trouves d'être l'ischémie ou l'apparition des septembre depuis une heure, fin de tour. Mais chez chirurgien vasculaire, il y a une idée. Vous y derrière la durée du transport, il fait maintenant l'évolution de 2 à 3 heures de l'ischémie. La hauteur de le territoire douloureux est important. Je vois est-ce que la hauteur Z ou la A, maintenant qu'il y a l'ischémie uniquement entre la main et l'avant-bras, qu'est-ce l'extension du bras, etc.
L'âge du patient, puisque même je suis aussi un sujet jeune, je suis aussi un sujet âgé, comme l'ischémie, soit sur le plan cardiaque ou là sur le plan au niveau des membres, elle est plus péjorative chez un sujet jeune qu'un sujet âgé. Et l'explication, c'est la situation collatérale. Est-ce que le patient a des antécédents? On a déjà parlé de ça, surtout les embolies d'origine cardiaque, qui est des terrains bien, des malades bien. Des terrains bien favorisés à faire ces accidents, qui mènent des accidents homogènes avec évolution récente. Est-ce qu'ils prennent le traitement ou non? Qui met malade sous l'endoscopie mitral avec serré, avec thrombus flore, qui met ce traitement de coagulant, donc sous ce temps, avec traitement antiarythmique. Est-ce que le malade a des antécédents cardiovasculaires, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà fait des AVC, des artériopathies obliques du membre antérieur, les anévrismes? Et là, on est en train de faire des anévrismes, puisqu'une telle ischémie, je dois envoyer le malade pour le tissu chirurgical, soit concomitante, ou là, dans un deuxième temps, tu as un anévrisme terme, puisqu'on met une anévrisme artérielle terme, donc l'ischémie, quand même, on dit, mais malgré la première intervention, l'HTA, puisqu'il y a le risque de dissection aortique, Riguna, le cours de dissection aortique, l'HTA, c'est l'étiologie principale des dissections aortiques dans 70% des cas. Maladie thromboembolique véreuse, c'est la cause de l'embolie paradoxale, surtout laquelle le patient est porteur d'une communication à l'étage polyvulaire. Dans la circonstance clinique, est-ce qu'il y a la notion de traumatisme, soit iatrogène ou la non-iatrogène, ou l'intervention chirurgicale? Un peu. Quand on dit l'intervention chirurgicale, on dit la section. Maintenant, on dit le traitement de fracture terre-fumée, l'embranchée, on dit les clous à deux. Le début, est-ce qu'il est brutal, est-ce qu'il est progressif? Il faut toujours faire la palpation symétrique et bilatérale des boucles pélviques. La douleur spontanée, elle est intense, accompagnée d'une impotence fonctionnelle du membre. Donc, il y a un coup de la douleur d'ischémie, elle est intense, elle est spontanée, avec une impotence fonctionnelle du membre. Le membre apparaît vide, donc il peut se faire bien. Il est froid, bel, comme surtout qu'il dit la comparaison d'un le membre contralatéral, où les mchoufouhage, les veines superficielles, est-ce qu'on vide ou là non? Puisque le membre il est non perfusé, donc les veines superficielles sont collabées, vides, fin de. Normalement, si vous dites comment il condisait la mouche à la main, si vous dites les veines ternaires, il connaît. À quelques millions, les veines, les membres appelés. Il faut toujours faire un examen neurologique complet à le membre en testant la sensibilité et la motricité. تقولوا له حرك صباعك حرك رجليك يحرك ما يحركش لا ما يحركش اون بار دي باراليزي موتيس ونشوفوه يحس ولا ما يحسش لا ما يحسش نقولوا دي باراليزي سونسيتيف لا ما يديرهمش في زوج اون بار بار دي باراليزي سونسيتيف موتيس دون سو كالا لو سول تريتمون سي لامبوتاسيون دي مومبر بيسك لو مالاد اي سميرا اي اون اسكيمي ديباسي دونك اوكين جي سوجيكال ني بينيفيك بور لو باسيون ا سو ستاد داكور. Sans oublier de faire un examen général, il faut faire l'auscultation cardiaque à la recherche d'une arythmie. L'arythmie qui me dit la palpation du pouls. Il y a les malades qui sont en ACFA, qui mènent les malades d'un M. Arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il y a une amadate calptère, mais je m'entends pas. Une valvulopathie. Quand il y a une valvulopathie, il y a un souffle très caractéristique. Le rétissement antique, il y a un souffle systolique, intense, rue drapeuse, deuxième espace intercostal droit. Les reines, il y a la triade de dérosie. Femme tout, tout le monde qui fait. D'accord, l'insuffisance aortique, il y a un souffle diastolique. Derrière le gitan, deuxième espace intercostal droit. Tout le monde, l'insuffisance mitrale, il y a un souffle systolique, etc. Il faut mesurer la pression artérielle, recherche d'éventuels déséquilibres hémodynamiques, qui n'ont pas de naopique. Un bas débit cardiaque chez un patient qui porte une naomie. Il faudrait diluer la thrombose d'une lésion athéromateuse préexistante. Un tout. Il suffit avec le débit cardiaque, la table de décompensation cardiaque, la déshydratation et de boucher le lèvre. Recherche d'autres embolies associées que le démarrage jumelant malheureusement avec d'autres localisations, pas uniquement une ischémie d'un seul membre, mais également au niveau du membre supérieur ou d'un autre membre inférieur, ou même des lésions des roues cerveaux, des ABC. Il faut s'empêcher de faire l'auscultation des axes artériels du membre pour rechercher des stérences ou des anévrismes de l'abdomen et la région cervicale à la recherche d'un souffle carotidien. Donc, comment normalement pour le néoclassique, c'est facile.
Donc la symptomatologie, c'est fonctionnel, c'est la douleur importante, importante spontanée avec importance fonctionnelle. Examen physique, type 2, localement, dans le membre, il est liquide, la palpation du paroi, sans oublier de faire un examen neurologique pour traiter le membre cancéreux. Comment reconnaître la tomographie de l'obstruction? Donc, cliniquement, on a la tomographie de l'obstruction. L'obliquation antérieure du fémur en mobilité entraîne une ischémie stable de la jambe et du pied. Si ma bonne femme a une obstruction au niveau de l'étage du fémur en mobilité, tu as une ischémie à la fois de la jambe et du pied. Si on a une obliquation à l'étage iliaque ou la fémorale, tu as une ischémie à la fois de la jambe qui peut s'étendre à la région au niveau du cuisse. Quel est le démarrage? Ici, on a une ischémie dans les deux membres inférieurs. C'est l'obliquation de tel carrefour aortique. Maintenant, comme la deuxième diapositive, donc la horte abdominale en distalité, bouche aérique, donc les deux artères iliaques sont arrêtées de la perfusion, donc tu as une ischémie des deux membres inférieurs. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen physique? On va trouver une ischémie bilatérale atteignant les deux membres inférieurs, une paralysie à la fois sensitive et motrice, simulant une paraplégie, qui dévoile ça une paralysie pour le membre inférieur. Les deux poumons fémoraux sont absents, également les peu compliqués. Les signes généraux sont souvent au premier plan avec maximum un collapsus cardiovasculaire. Chez tout qui trouve le territoire important, nous avons la dégradation de l'état général du patient. Donc, comment reconnaître les mécanismes? On a déjà parlé de ça. L'étiologie principale, c'est onchologique. Puis, on devient dans le deuxième rang, c'est les causes thrombotiques. Donc, l'embolie artérielle, donc c'est un tableau comparatif en fonction de l'âge, l'apparition de la symptomatologie, l'intensité de la douleur, les signes cutanés, l'origine cardiaque, quels sont les marqueurs favorisants et qu'est-ce qu'on trouve lors de la réalisation de l'artériographie. Primaire chevauchée, ainsi j'ai les ischémies d'origine embolique qui se voient plutôt chez un sujet jeune. L'apparition elle est brutale, la douleur elle est intense et aiguë. La température cutanée, donc qui donne un membre glacé, elle est fortement diminuée. Généralement, à l'examen cardiaque, on trouve des anomalies cardiaques, soit une insuffisance cardiaque, ou là, une arythmie, etc. Facteur favorisant, c'est le passage en ACFA. Enfin, qu'un des sujets, les ACFA, tout fait un web, ACFA persistante. Il y a le malade, dit-nous le CG, ou là, l'examen physique, dit maintenant de l'arythmie. Hello, normal, je tombe sous traitement anticoagulant, ou classe. Ou traitement anti-arythmie. Qu'un des choufous, on met les ACFA paroxystiques. À l'école de l'étudiant normal, on met les liens à CFA paroxystique, on met les liens normal. Donc, le temps à l'étudier la CFA paroxystique, donc, il y a un malade mère et belouche, on met certaines mères et belouche, flappé, puisqu'il n'est pas couvert par un traitement du coagulant non adéquat. Donc, il y a une salle de formation de thrombus ou une salle d'animation. La réalisation d'une artériographie montre l'arrêt en cupule. Cupule, c'est l'aspect trouvé lors de l'obliquation artérielle d'origine embolique. Pour l'étiologie de thrombose artérielle, qui se voit plutôt chez les sujets âgés, tableau irrégulier rapide comme peut-être progressif, progressif ou rapide, en fonction du développement de la circulation collatérale. Ainsi, d'un homme de patient a une circulation collatérale bien développée, donc la présentation clinique est progressive. L'un une circulation collatérale médiocre, donc la manifestation clinique est rapide. Donc, sévère plus que modéré est en fonction de la circulation collatérale. Si la circulation collatérale est médiocre ou la balle développée, donc le tableau clinique est sévère. Si elle est développée, le tableau clinique est modéré. Donc, la température cutanée est diminuée inégalement. La hausse est inégalement. Hasib le développement est à la circulation collatérale. Le thème de Gaou, une obliteration indienne à Omi ou une obliteration. Et vous avez perte morale superficielle. Est-ce que vous avez des circulations collatérales de la cuisse bien développées, donc la chaleur est trop loin. Vous avez un peu de temps, vous trouvez des circulations collatérales mauvaises sur la jambe, même que la jambe est très froide relativement par rapport à la cuisse. Les anomalies cardiaques sont généralement absentes, puisque les étiologies, généralement, soit la maladie santé, le traitement du coagulant terme, ou les un épisode de déshydratation, un épisode de badimie cardiaque. Le roumain défavorise la thrombose des lésions artérielles. Les facteurs favorisants, on a déjà parlé de ça, soit un tableau de badimie cardiaque, soit un muscle fébrile d'origine rythmique ou non rythmique, ou l'un d'eux a sorti le traitement terreau.
qui sont extraits des prédispositifs sanguins, surtout en médialisation artérielle, parce que le sang est bien anticoagulé pour faire passer le sang à travers ses ondes stérosiques. L'artériographie, une lésion ulcérée, qui on a généralement c'est l'artéron touche tout le système artériel. Elle est indiquée dans l'artériographie, mais donc tout le système artériel, elle offre des images avec des athéroscléroses diffuses et avec des arrêts irréguliers. Elle est l'idée de comportement, reconnaître la gravité de l'obstruction. On va grâce à une classification faite par M. Rutherford, qui distingue trois stades. Le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Lorsqu'on a le stade 3, c'est le stade ischémique dépassé. Dans ce cas-là, il faut proposer le malade pour amputation. D'accord ? Le stade 1, c'est classification, c'est le stade faible. Sur le plan clinique, le membre il est toujours viable. On trouve à l'examen. On trouve à l'examen physique un membre pâle, froid, 3, non douloureux. Donc le malade est comme j'ai dit, la douleur, il a une tête d'ischémie. Avec absence de troubles sensitifs au moteur. Donc, il n'apprécie la sensibilité à la motricité, mais bien va les conserver. Si on réalise un Doppler artériel à ce stade, on trouve toujours un fil artériel audible, c'est même une demi-faute à travers le membre. Dans ce cas-là, il faut faire un geste de revascularisation en urgence avec décoagulation. Les malades de l'hydrone inscrivent des marquants sous éparine. L'éparine est parmi les molécules indirantes dans un milieu hospitalier. Pour diminuer la coagulabilité sanguine. D'accord ? Le stade Hammers, par contre, il faut bien retenir les caractéristiques cliniques et l'échocardiothalico-doppler, tel le stade 1. Le deuxième stade, le stade il est toujours ischémien irréversible en cas de reperfusion, c'est-à-dire en cas de traitement chirurgical urgent. Qu'est-ce qu'on trouve sur le plan clinique ? On trouve un membre douloureux, donc qui a une apparition de la douleur. Donc ce qui fait distinguer le stade 1 et le stade 2, c'est la douleur. Le membre est froid et les verbes sont rigidité. Donc à l'examen physique, on distingue deux stades. L'ischémie est discrètement de A, c'est discrètement menaçante. Donc vous voyez l'apparition des troubles sensitifs type de dysthésie limitée aux orteils, mais il y a absence de troubles moteurs. De B, c'est l'ischémie immédiatement menaçante. On a la douleur de repos avec des troubles sensitifs au-dessus des orteils et apparition des troubles moteurs, type parésie ou l'œil paralysie. Donc, il y a vraiment les deux stades, les deux catégories, tel stade 2. Dans ce cas-là, le flux, si on réalise un Doppler, on trouve toujours le flux artériel inaudible, donc absent de flux artériel au niveau du membre, mais avec présence d'un flux veineux. Donc, Doppler, il vérifie ce que je le flux flatel et le flux flavel. L'artère Meckel, flavel, mesel, le veto. Dans ce cas-là, il faut faire un traitement urgent, sujet revascularisation urgente, avec décoagulation par l'éparine. Le dernier stade, c'est le stade d'ischémie irréversible. Irréversible, mais la tête d'ischémie d'ailleurs, elle est dépassée. Rigidité musculaire à l'examen physique. La peau, elle est bleutée, marbrée, douleur importante. Donc, c'est un examen neurologique. Le membre a une grosse sensibilité, on est en anesthésie. Là, sur le plan moteur, on est dans la paralysie. Avec absence de remplissage capillaire, c'est-à-dire le temps d'examen par le temps de reconnexion. Si on réalise un Doppler vasculaire, atteignez les bulles, mais le cœur défile, que ce soit plaquelle ou la plaquelle. Dans ce cas-là, aucun geste de revascularisation ne peut être réalisé. Le membre qui met goulomètre, c'est l'amputation. Donc, maintenant c'est clair. Et maintenant, le message, ou le message à retenir, le diagnostic d'une ischémie aiguë, c'est clinique. Il faut savoir faire le diagnostic positif, il faut savoir faire le diagnostic topographique, le mécanisme et enfin le diagnostic de gravité. Pour le chapitre diagnostic différentiel, il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation clinique ou tableau d'ischémie aiguë. Sciatique critique, les wadi wulhami al-glasar, il y a un al-glasar, il y a un al-glasar, donc le symptôme commun, c'est la douleur, le membre inférieur, mais l'ischémie critique, elle est bien. L'ischémie critique, c'est les deux stades 3 et 4 de la classification de Lurie Chiffontaine. Femme tout. Hadi, le terrain, parfois, le terrain. Le terrain, c'est un patient en lieu de la maladie athéromatose. Thrombose veineuse profonde, ou Stiger.
Normalement, tout le temps dans une autre chose. Le membre, ça crée la douleur, le membre, mais le membre, il est chaud. Il est rouge. Il est chaud. C'est un gigu, il est la première le début de cette diapositive. Mais c'est un gigu, il est ça. C'est un gigu. Vous avez un distal, vous avez un conflit vertébral de la région lombaire. Donc, un distal, je dis, mais là, le membre, il est chaud. Faites-vous. Ou les poutres qui sont présents. Lésion musculaire est généralement post-traumatique ou l'un est passé en état de choc. Là, si vous avez visité les urgences médicales, la réanimation, je vous les malades en état de choc. Vous chez les malades en état de choc. Je dis aujourd'hui un mal à palpation, les malades choqués, c'est le choix choc hémorragique ou là, je dis aujourd'hui un void, il est vide, femme tout. Ou tu dis la paroi d'œil, c'est limité, femme tout. Donc, il dit l'état de choc, mais je mets une ischémie tellement, d'accord. Donc, comment traiter, on ne va pas s'étaler là-dessus. Non, non, normalement, tout le monde, le message, fait le stade tech en quatrième année, t'as-tu comment faire le diagnostic, ou t'as-tu oublié l'ischémie, mais c'est une urgence médicale, médico-chirurgicale. Comme tout, même la prise en charge doit être précoce. Pour le traitement, normalement, tu peux développer les connaissances techniques, l'internat. Au fil des années, ils ont développé l'enregistrement de la connaissance technique. Pour le traitement médical, les malades tombent tout le monde sous épargne. Normalement, si vous avez fait des stages dans le service de cardiologie, les malades tombent sous épargne. Vous avez la casse épargne par injection subcutanée, vous avez l'épargne en perfusion continue à la seringue électrique. Alors, ouais, quelle serait dès le début de le diagnostic? Alors, pour éviter l'expansion, puisque le membre qui coule une bouche et une coque, qui est un stade sur l'ordre. Pour éviter une expansion dans le tombeau sur la tête, on dit nous sommes réparés. D'accord? Qui est des mesures d'ordre général, c'est le malade, surtout chez lequel on a omis, il faut transfuser lequel on a mis, la déshydratée ou là, il faut perfusion des macromolécules. Il faut établir un bon état hémodynamique, il faut traiter l'hypercaliémie, traiter l'acidose métabolique, prévention de la tubulopathie par un remplissage vasculaire adéquat, les causes infectieuses, là il faut traiter par les antibiotiques à la suspende, sans oublier de faire une surveillance clinique et paraclinique. Quelle autre molécule? C'est la fibrinolyse, les fibrinolytiques, normalement c'est bientôt un stage de cardiologie qui déroule les FDM, surtout avant la 6e heure. On déroule la fibrinolyse pour détruire le thrombus sur les artères coronaires. Je déroule la reperfusion de l'origine médicamenteuse, c'est l'IDF. Fibrinolyse par voie générale. On dira un abord veineux, on dira la perfusion, mais il y a des complications, à la hausse sur les complications, où il y a beaucoup de contre-indications absolues relatives. Et quel est le diabétique, l'éthylopathie diabétique, qui a dit que je mets les méchants par l'hémorragie rétinienne, là où il y a une seule gastrique qui a dit que c'est ni, enfin tout. Là où il y a maintenant une chirurgie urgente sous contre-indication absolue, là où il y a une chirurgie qui a dit que c'est un peu plus de temps pour une minorité par voie générale. Donc actuellement, on a la maîtrise de la radiologie interventionnelle, où il y a une dénou, la fibrinolyse in situ pour éviter les complications en général. Alors, la molécule, elle est. Qui est mastaltopinase ou la lérokinase, l'injectera en intraluminal au niveau du thrombus, même les thrombus au niveau des artères coronaires. Il y aura un KT où il déroule la lérokinase en intracoronaire, d'accord? Pour détruire le thrombus avec, cadre qui médule la thromboaspiration. C'est-à-dire le thrombus avec qui compte frais inférieur à, dans la durée d'évolution inférieure à 6 heures, on dilate l'aspiration du thrombus qui calme la situation coronaire pour assurer la reperfusion. Avec le développement de la radiologie interventionnelle. Donc, le traitement chirurgical, c'est les patients qui présentent une ischémie aiguë sur l'artère saine, alors saine, puisqu'il y a une relation de Fogarty sur les patients athéromateux, puisqu'il y a des sténoses étagées, donc je risque d'aggraver la situation et de créer des dissections ou des lésions au niveau de l'intime. Donc, la zone de Fogarty, normalement, je vois avec les gens chirurgicales. C'est le cas des menus d'invalidité, je vais vous montrer dans la diapositive prochaine. La sensibilité permet la revascularisation interne. Lui, c'est un geste facile. Peut-être qu'il y a une ischémie de l'artère fémorale superficielle. On a bandé la région de Scapa, l'artère fémorale, que l'on prive le fourmeau de tête. On dit une petite incision de l'artère fémorale. On dirait la santé à lui, qui dirait là, on va être plus que le ballonnier.
On retire progressivement la kima, comme vous voyez ici. Donc, il y a la sonde de Fugarty, un décret de la perfumation superficielle. Une fois dépassé la distalité, la partie distale dans le thrombus, on fait le ballonnet, on dit le retrait progressif. On en tâche, on dit le retrait progressif de l'autre pour ne pas engendrer des lésions clientima, puisque le ballonnet est de façon forcée, il y a des clientima qui vont être source de thrombose ultérieure. Donc, je vais progressivement à travers l'ouverture au niveau de l'artère, on dit le geste de revascularisation de l'air. D'accord? Quelle autre technique qui met la thromboaspiration? On a déjà parlé de ça. Quelle est la chirurgie restauratrice? Et on va passer à l'air. On met des pontages. Des pontages artériels. Où je mets un pontage, j'ai mis 20 minutes en scène où le sang est sur la on dira où on abat une zone différente de sténose pour assurer l'irrigation de l'ombre. Geste associé, qui est des maladies ou syndrome de loge. Syndrome de loge, il y a l'augmentation de pression au niveau d'une loge musculaire, surtout que les membres. Et nous dirons l'aponevrotomie. L'aponevrotomie, c'est de l'aponevrose pour diminuer cette augmentation de pression de la loge musculaire. Il y a très bien de la lise musculaire. Le lavage du membre, je vais un lavage du membre, qui connaît le territoire en ischémie, qui m'a donné une petite lésion pour le carrefour aortique, où là, l'ischémie est le membre supérieur. Dirons le lavage est le membre. Là, on a vu le membre. Avec le maintien l'obstacle artériel, là, on a vu le membre. Qui connaît le passage vers le métabolisme anaérobique, qui est la production de toxines, donc les radicaux libres, potassium. Là, on a vu le membre, il y a une injection du sérum. Au niveau de la veine, fin tout. Puisque du coup, on a dirons les retours bêtes, qui dit le. La levée de l'obstacle artériel, il y a eu les catabolites et puis il y a eu le. On a vu des malades opérinaires pour une ischémie, il y a un CRSAT qui monte, il dit on arrive plus tard. Fait tout, puisque le chirurgien n'a pas fait le lavage du membre. Là, il y a l'obstacle, donc le membre a été irrigué. Donc, il y a eu le retour de l'hélicoptère pour le potassium, il y a eu le retour, puis il y a eu le cardiaque. L'amputation, elle est indiquée en cas d'ischémie dépassée. En conclusion, donc l'ischémie est une urgence médico-chirurgicale, la couchette au fer, traitement par l'héparine, etc. Chirurgicale, geste de revascularisation. Diagnostic, elle est purement clinique, donc vous n'avez pas besoin des examens complémentaires. Ou les examens complémentaires vont retarder la prise en charge du malade. Le pronostic vital et fonctionnel dépend de la précocité diagnostique. Pour faire une précocité diagnostique, il faut savoir connaître l'ischémie aiguë et thérapeutique. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est bien pour les deux cours. La semaine prochaine, on fera les deux cours de grossesse et les cardiopathies et les cardiopathies congénitales. Ça fait bien, madame. Ça fait bien.